Le meilleur développeur de blockchain teste Shibarium et les fonds sont transférés en 4 minutes. Dans un tweet récent, CryptoLidev, un éminent ingénieur logiciel blockchain, a illustré le principe de fonctionnement du pont Shibarium. Le développeur a cherché à tester que le pont Shibarium fonctionne et est capable de transmettre des fonds cryptographiques. Il a fait le nécessaire pour donner son avis à la communauté crypto avant qu'elle n'entreprenne un effort similaire. Dans ces mots, je teste le pont Shibarium en envoyant de l'ETH à Shibarium, vous n'avez donc pas à le tester vous-même. Rappelons que The Crypto Basic a révélé que le pont bêta de Shibarium était devenu disponible pour des tests publics en juillet. Test du pont Shibarium. Selon Crypto Lead Dev, il a d'abord visité l'application web du pont Shibarium et a saisi le jeton Ethereum qu'il souhaitait transférer. Le montant de son test était de 0,01 ETH soit une valeur de 16,4981 dollars au moment de la transaction. Les frais initiaux étaient de 1,95, avec une durée estimée de 20 à 30 minutes. Notamment, le portefeuille web 3 qu'il a utilisé était Metamask. Le développeur a déclaré qu'après avoir contacté Metamask pour confirmer la transaction, les frais estimés étaient devenus 2,65. Il a néanmoins continué. Alors que le fonds était en route vers Shibarium, cryptolidev a vérifié l'explorateur de blockchain pour recueillir des informations sur le processus en cours. Il a souligné que le pont Shibarium a déplacé les mouvements vers un contrat proxy évolutif. Un contrat proxy évolutif est un contrat intelligent qui permet de mettre à niveau son code sous-jacent sans affecter sa capacité à recevoir ou envoyer des fonds. Dans le cas du pont Shibarium, le contrat proxy évolutif stocke le TH transféré et met à jour son code. Ce mécanisme permet au pont de fonctionner même en cas de modification de la blockchain Shibarium. Par rapport au temps d'attente estimé à 30 minutes, il semble que la transaction ait été conclue en 4 minutes. Notamment, Cryptolidev a noté à 6h01 qu'il avait initié la transaction. À 6h13, il a tweeté que l'événement était terminé il y a 8 minutes, à 6h05. Cela signifie qu'il a fallu 4 minutes pour conclure. Il a révélé que le pont avait frappé les jetons ETH sur Shibarium dans son portefeuille. Il a obtenu Wet. Après cela, le développeur a créé un espace réservé de jetons personnalisés sur son portefeuille Metamask pour recevoir le Shibarium Wet. Il a noté que cette étape était nécessaire car le Wet sur Shibarium diffère de celui d'Ethereum. Il a proclamé, le pont Shibarium semble fonctionner. Waouh waouh Horreur après que son portefeuille Metamask ait reçu le WET, le fondateur de Polygon promet un soutien solide à Shiba Inu. Le fondateur de Polygon, Sandip Nelwal, promet un fort soutien à l'écosystème Shiba Inu alors que l'équipe de développement de Shib salue le rôle de Polygon dans la relance du Shibarium. Sandip Nelwal, le fondateur de Polygon, a réaffirmé son engagement à soutenir l'écosystème Shiba Inu. Cet engagement est devenu évident lorsque l'équipe de développement de Shiba Inu a reconnu le rôle central joué par Polygon dans la renaissance de Shibarium. L'équipe Shiba Inu a récemment annoncé la relance publique de Shibarium Mene. A cette occasion, Shitoshi Kusama, le développeur principal de Shiba Inu, et son équipe ont exprimé leur gratitude à Polygon Lab, en particulier aux fondateurs de Polygon, Sandip Nelwa et Jainti Kanani, et aux membres principal de l'équipe du protocole, Krishna Upadhyaya. Pour avoir aidé à surmonter les problèmes de Shibarium. Rencontré après le lancement. Sandip Nelwal, à la lumière de cette reconnaissance, a partagé un tweet exprimant son dévouement continu à soutenir l'écosystème Shiba Inu. Le tweet dit Toujours là pour servir, Polygon. Tous les meilleurs les gars. Rappelons que Shibarium a rencontré des obstacles techniques peu de temps après ses débuts sur le réseau principal en raison d'une augmentation inattendue de l'activité des utilisateurs. Dans un récent article de blog, Kusama a révélé qu'il avait contacté Sandip Nelwal à cet égard, et le cofondateur de Polygon a rapidement apporté son soutien sans aucun délai ni hésitation pour résoudre la situation. Il convient de noter que Shibarium est un fork de Polygon, Kusama affirmant que l'équipe a pris la bonne décision à cet égard. Il a souligné que l'équipe de Polygon avait apporté un soutien précieux à la mise à l'échelle de Shibarium. Kusama a en outre exprimé son appréciation aux autres développeurs de Shiba Inu, comme Unification, pour leur contribution, conduisant à la relance réussie de Shibarium. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et un commentaire. Abonne-toi pour rester toujours informé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo crypto.